chose quelque part. J'aimerais bien aller au salon Arkhaven s'il vous plaît. Ok, bah vas-y monte, c'est parti, j'y vais aussi, ça tombe bien. Comment ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Tranquille? J'ai bien prononcé. Ouais. T'as un coach sportif, t'as aussi le côté nutritionnel, tu vois, avec des gens qui vendent des produits type miel, etc. Miel, des dattes. T'as un gars qui fait thérapie par ventouse, donc tu vois, si t'as des douleurs au dos, etc. Il y a un gars qui fait de la calligraphie. Il y a des associations caritatives aussi, forcément. Enfin, forcément. À profiter de ces événements-là aussi où les gens peut-être sont plus amenés à dépenser pour profiter de ça et puis aider les autres, aider les nécessiteux, c'est très très important. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Allez, c'est parti. Donc là t'as pas mal tout ce qui est habillement, etc. Là t'as les ventouses, là tu vois là le feu là, regarde. Salam alaikum Saïd. Alaikum salam. Pour ma chaîne YouTube. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors le frère, on lui fait une petite séance là, découverte et en même temps en espérant pouvoir traiter sa douleur. Donc il a une douleur, il a une lombalgie. Donc on espère qu'avec grâce à la congestion des ventouses, ça va pouvoir le soulager. Donc ce qu'on a fait en début, c'est qu'on a massé avec la ventouse qui nous permet de repérer les zones de rougeur. Par exemple, là on peut apercevoir une petite rougeur, soit ça peut correspondre à une douleur, ou en tout cas une zone altérée, une zone pathogène. On va pas faire de diagnostic, mais en tout cas, on voit qu'il y a une inflammation dans cette zone. Ah, c'est top. Voilà, est-ce donc que je pourrais venir essayer tout à l'heure? Mais bien sûr, avec plaisir. Ouais, j'ai mal au dos, ça va me faire du bien, Inch'Allah. Merci, Saïd. Ouais, ça marche, ça marche. Je suis Sassi Laïdi, calligraphe, je viens de Lyon. J'ai créé cet atelier-là de faire des toiles personnalisées en live. D'accord. Donc, et sur place. Comme ça, les clients peuvent les prendre à offrir aux enfants des petites toiles comme ça. Sinon, il y a d'autres tableaux beaucoup plus grands pour la décoration, on va dire, mais décoration de chez soi, des doigts, des citations, des proverbes, des ayats, des orates. On vend toutes sortes de produits, mais c'est bien plus qu'une marque de produits naturels. C'est vraiment une hygiène de vie, un mode de vie à changer. Tout ce qu'on a produit, on a fait zéro gaspillage. En tout cas, on voit que ça plaît aux gens. On a réussi à avoir une clientèle fidèle et on touche de plus en plus de communautés. Alors Rachid, le programme des staffs réunis? Déjà, je suis pas crédible avec mon tacos. Mais pour ma défense, il y a des bonnes frites. Les frites sont faites maison, poulet mariné fait maison. Et donc, en fait, le programme de cet après-midi, ça va être donc un cours de gentleman cross-training. Donc, séance assez courte parce qu'après, derrière, il va y avoir un concours de traction australienne où le gagnant, en fait, va remporter une tunique Prabail là-bas. Et donc, après, ça va être en milieu de fin d'après-midi, une petite séance pour se détendre un peu, un corps sans douleur. Et après, moi surtout, je vais profiter des différents stands, donc ventouse, box virtuel, etc. Tranquillou. Bonjour, salam alaikum. Donc moi, c'est Madi, je travaille pour l'association Dignité Internationale. Donc Dignité Internationale, c'est une association humanitaire qui existe depuis 2014. Donc on est vraiment sur ce secteur médical, sur le secteur également de l'accès à l'eau et tout ce qui est l'éducation, etc. Donc si vous voulez nous soutenir, donc c'est Dignité Internationale. Vous pouvez aller directement sur notre site www.dignité-international-sans-e.org. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous aider, ça passe par les dons, mais également nous suivre et connaître nos actions. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Là, qu'est-ce que tu veux voir, mon cher Rachid? Bah là, en fait, on va partir sur un circuit training, donc avec plusieurs ateliers. Salam alaikum les frères, vous allez bien? Là il y a un cours collectif là, qui commence tout de suite, j'ai besoin de 8 volontaires et juste après on embraye sur le concours. Donc il y a une tunique travail à gagner, Inch'Allah, donc je vous attends. Je vais vous mettre là, je vais vous montrer les exercices. Allez, c'est parti. Premier exercice là-bas, ça va être traction australienne. Oh, mais non, franchement tu vas voir, c'est simple. Donc là je suis ici, tac. Je mets bien les fessiers ici, voilà, bien contracté, je monte, je descends. Tiens le boulot, vente arrière, tu tournes sur le côté et tu tends.
tu ramènes et tu montes. C'est good. Donc je suis ici là, 1, d'accord, 1, boum, explose, d'accord, je redescends, 1, boum. Ensuite, là je les tiens comme ça, d'accord. Là ici on jumping jack. Du savon en karité et curcumin. On a du savon au huile d'olive et nigel, et du savon à l'huile de nigel et charbon. Et dernier, là vous le mettez derrière ici, extension, hop, 1. Oui. Voilà. Donc là en mode réalité virtuelle, on va boxer un petit peu là. En mode creed, tout ça là, tac, hop, 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 là. J'ai une vidéo de toi là qui boxe devant la cam. Au basique, okay. C'est qui le meilleur? Chacun ses qualités et ses défauts, mais d'accord. Drago c'est plus balèze. Drago, ok. Drago, Ivan Drago. Ça, il y a des c'est pas simple hein. Ouais, c'est plus dur aussi. Voilà, c'est pas simple hein. C'est les enfants le requin. Lui c'est directement Drago. Ouais. Eh le gars, tu sais, des fois t'as l'impression que tu le touches. Tu le touches un peu mais t'as l'impression qu'il tombe jamais. Parce que je veux que je le touchais. Ah, franchement c'était cool. En tout cas c'était super sympa. C'est quoi ta boîte? Puissance VR, réalité virtuelle. Voilà. Super, merci à toi. Merci à toi. À très bientôt. En fait, il y a des visiteurs ont pris un billet en fait. Et à la fin, donc pour le troisième jour, il y a un tirage au sort. Un des visiteurs va gagner une Omra en fait, un petit pèlerinage. Et c'est le numéro 81. Le numéro 81. Il va être l'honneur d'être l'invité d'un an. Wow. Masha'Allah. Hein? Alors comment tu te sens? Subhanallah. Subhanallah. Ce jeu de choukour. Fais ce jeu de choukour, vas-y. Allez, venez soutenir au niveau des tractions. Et ainsi de suite, d'accord? T'as pas besoin de remonter super haut, par contre tu descends jusque là à peu près, tu vois. Allez, voilà. Prêt? Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Il y en a 41 là-bas. 41. Allez les frères, ils sont en train de se motiver, ils sont en train de faire des tractions, on vient les soutenir, on vient les aider. C'est vraiment un truc de ouf, même moi j'ai rarement vu ça, des tractions australiennes dépasser les 130, c'est... J'ai essayé de faire des tirages homogènes, on est à 150 tractions australiennes. 230 à gauche, les frères vous étiez où pour les soutenir là? Donc là c'est vraiment un truc de fou, on va avoir une finale de malade. Entre Hamza qui est là. Donc, tout à l'heure Hamza il a fait 280 lui-même il s'en rappelle plus, 280 quelques tractions australiennes. Donc un dos de fou, des biceps de malade, donc vraiment une grosse force, vraiment un truc de malade. Et puis Mehdi qui est là-bas. Mehdi il est parti. Je crois que on fait une transition. Il est parti prendre un remontant. On monte le bassin. Allez 3, 2, 1, allez on y va. Allez 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. D'accord, Mehdi, ouais, il a gagné. Une trentaine. Parce que le Hamza était éprouvé par sa demi-finale. Alors, ça, alors, je sais pas c'est quoi comme taille. Donc, la marque Qibla vient t'offrir aussi une tenue. Mashallah. Il n'y a pas de perdants chez nous, il n'y a que des gagnants. Il n'y a que une élite. Alors, là, après l'effort, le réconfort, on va tester la hijama. Il faut prendre des précautions, à savoir si tu ne prends pas de traitement particulier, d'accord. Et notamment un traitement anticoagulant.
Non, ça j'ai parce qu'en fait, les anticoagulants, si ça saigne et que même si on peut faire des hématomes, on a du mal à se résorber. D'accord. Donc c'est important, même dans la thérapie des ventouses, la pyjama sèche. D'accord. Donc là, ça y est, le salon est terminé, là, 3 jours. Donc là, on rentre après une bonne séance là, de pyjama, là, tranquille. Là, on a chargé tout le matériel dans le coffre et on rentre au bercail. 3 journées bien, bien intenses. Bien chargées. Mais très enrichissante. On a fait beaucoup de rencontres. Grand merci à mon caméraman Clément Herbert. Salut. Qui a été présent donc pour tout filmer. Et un grand merci aussi à mes gars donc et Junior et Walid, ouais. Leur présence pour mettre un petit peu leur de énergie, leur patate pour mettre du power leur là ouaga. Dans le leur ouaga dans le comment ça s'appelle, dans les ateliers. On est en route là donc l'idée maintenant ça va être de promouvoir ce salon qui est un super beau salon, franchement. Ouais. On a kiffé, hein, c'était top, il y avait vraiment une très très grande variété en termes d'entrepreneurs, de porteurs de projets, ouais, du caritatif au bien-être. On a fait un concours mémorable là de traction australienne. 200... On est monté à 280 traction australienne. Les gars étaient complètement courbaturés, congestionnés. Tu ah vois, ouais, sur la... ils étaient par terre là. Voilà, tu vois la portion basse là du biceps, ils en pouvaient plus. Tu sais, on a dû changer les règles, tu vois, pendant la demi-finale, leur demi-finale à eux, parce que sinon on pouvait aller loin en fait. Les gars, ouais, ils tellement avec leur fierté là. Voilà, ils voulaient pas lâcher le steak, les mecs, tu vois. À la fin, ouais. Ils avaient plus de bras. Les bras, ils étaient pliés comme ça, tu vois, ils en pouvaient plus. Si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à aller au Décathlon de Groslay. Donc 2 cours par semaine, mardi soir, vendredi soir, 19h-20h. Et puis pour les Parisiens, je fais aussi des coachings individuels au MMA Factory à Port-Doré. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Tac. Voilà, agenda en ligne, sélectionnez votre créneau et puis on se retrouve. Et puis je vous accompagne en route vers vos objectifs directement. A très vite la famille, et puis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, mangez sainement, entraînez-vous. Et ouaga ah, avec le poing.